Zofou à l'aéroport de Dibemba. Donc son arrivée n'était pas annoncée, mais c'était une annonce surprise ce matin. Alors on a constaté une forte mobilisation dans la population, s'auto-sensibilisée, alors avec une ambiance sans précédent. Alors tous les marchés centraux de Mbujima, ils n'ont pas fonctionné aujourd'hui. Les magasins n'ont pas ouvert, tous les services, par exemple les écoles n'ont pas fonctionné dans les après-midi, les enseignants et les préfets de discipline n'ont pas réussi à contenir les élèves dans les salles de classe. Alors, les gens ont accouru vers l'aéroport pour accueillir le candidat Nimbu. Alors, on l'a obligé de faire le pied, mais il y avait tellement de monde qu'il ne pouvait pas tenir. Il était même obligé de dévier vers la Bodine pour atteindre la place de Bonzola, où il s'est adressé à la population pendant moins de 2 minutes, il n'a eu que le temps de saluer la population et présenter ses excuses pour le retard parce qu'on l'attendait depuis le matin. Et puis après, il a présenté les candidats de l'UDPS à la députation nationale. Et puis après, il devait reprendre son avion vers Kananga. Mais aux dernières informations, nous apprenons que les services de la RVA ne lui ont pas permis de décoller parce qu'il y a une panne de balisage à l'aéroport de Dipemba. Donc il va passer nuit en Bushman et demain il va reprendre le chemin du canal. Il n'y a pas eu de cas, il n'y a pas eu d'incident. La police a bien sécurisé la population. On n'a pas vraiment déploré le cas de blessés ni de morts. Ils ferment la porte à leurs élus.